je reçois Annaïg Morvan, directrice du droit des familles de France et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors justement, où en est-on de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise avec l'actualité qui est cette loi qui entre en application et les entreprises qui doivent donner leur score? Oui, vous me posez la question alors qu'on est effectivement en pleine actualité sur l'index de l'égalité. C'est un index qui a été conçu par Sylvie Lair de Schneider Electric avec un certain nombre de partenaires et ça rentrait dans le plan d'action promis par Muriel Pénicaud avec les partenaires sociaux. Donc d'abord, c'est un index qui a été construit, je tiens à le dire, avec les partenaires sociaux. Il comprend 5 critères. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, il est question de mesurer la comparaison des augmentations de salaire, de mesurer les inégalités salariales, de mesurer aussi si les femmes sont présentes dans les 10 premières rémunérations de l'entreprise. Et puis surtout, quelque chose de très très étonnant, on mesure si elles ont bien, à leur retour de congé maternité, pu profiter des augmentations salariales. Et là, le bât blesse. Alors, pour votre question, où en est-on ? Voilà, où en est-on ? Les entreprises, suivant leur taille, avaient des échéances variables. Et le point a été fait justement par Muriel Pénicaud et les partenaires sociaux là, le 17 septembre. Et là, c'est un peu catastrophique. On se rend compte que 17% des entreprises sont dans le rouge. C'est-à-dire qu'à partir des 5 critères que j'ai énumérés, les entreprises ont un chiffre, une cotation, si vous voulez, sur 100 points. Et si elles sont en dessous de 75, là, vraiment, il est vraiment temps d'agir. C'est formidable parce que les entreprises ont eu un temps d'adaptation. C'est-à-dire qu'elles ont eu un an pour s'adapter. Tout à fait. Et même avec ce temps d'adaptation, elles n'ont pas mis en place les mesures qu'il aurait fallu pour avoir 75 points. Oui, alors peut-être qu'elles pensaient qu'elles faisaient bien. Peut-être qu'elles pensaient qu'il n'y aurait pas de véritable contrôle. Et c'est là aussi la grande nouveauté conçue par Muriel Pénicaud. C'est-à-dire que les directions du travail, l'inspection du travail, contrôlent les entreprises. Et donc les index sont contrôlés. Alors qu'auparavant, il y avait déjà des obligations, vous savez, en matière d'accord et égalité professionnelle. Mais de là à les vérifier dans le détail, ça n'était pas le cas. Donc là, elles avaient le temps de s'adapter, c'est vrai. Certaines considéraient aussi qu'elles avaient un bel accord égalité professionnelle. Donc ne sont pas forcément souciées de la question de l'index. Et je tiens aussi à souligner que ce n'est pas parce qu'on a une bonne note à l'index qu'on doit s'exonérer de négocier un très bel accord égalité professionnelle. Alors, c'est 17% qui sont dans le rouge. Concrètement, qu'est-ce qui va leur arriver ? Elles ont un délai quand même pour s'améliorer, finalement renégocier aussi, repartir autour de la table. Et en revanche, si elles ne respectent pas le nouveau délai, il y aura des pénalités. Pénalités financières ? Oui, des pénalités financières, oui. Alors, j'imagine que là, peut-être, avec les pénalités financières, ça va être efficace. Oui, ça peut être efficace, effectivement. Et puis, ce qui est d'autant plus efficace, c'est que tout cela est rendu public. L'index de l'égalité... Name and shame. Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est public. N'importe quel salarié de l'entreprise peut demander en avoir connaissance et demander le détail. Je rappelle aussi que ça doit être publié sur les sites internet des entreprises. Donc finalement, ça devient une marque aussi, une marque de différenciation Donc des on entreprises. On va sur internet, sur le site de l'entreprise Y, et on voit que l'entreprise Y a tel score sur l'égalité homme-femme. Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors tout le monde ne le fait pas encore, mais je crois qu'il faut vraiment concevoir l'index comme cela, c'est-à-dire que c'est rendu public et ça permet ensuite de négocier. Alors, c'est là, la négociation, c'est la clé. Quand les organisations syndicales, puisque la négociation incombe encore aux organisations syndicales, s'aperçoivent que les scores sont mauvais, c'est eux qui prennent les devants et qui disent « on va vous aider à rentrer dans les clous ». Alors, en tous les cas, ils ont un devoir aussi d'alerte, de revendication, justement. Et les CSE peuvent se faire aider, peuvent demander du conseil en égalité professionnelle, peut-être pour y voir davantage plus clair et regarder où sont les capacités d'agir.
Et les pouvoirs publics peuvent aider aussi ? Oui, et c'est peut-être là aussi le rôle de l'inspection du travail, des directs, mais c'est également le rôle des directrices régionales ou directeurs régionaux droits des femmes et égalité femmes-hommes. Il y a un directeur, une directrice par région, et il y a dans chaque département de France un délégué ou une déléguée aux droits des femmes, qui peuvent aussi effectivement conseiller, aider à mettre en place des formations, des rencontres. Alors, quels sont les outils que vous avez à leur disposition au niveau de la direction des droits des femmes ? On peut agir en soutenant des projets. Ça peut être un soutien financier à des syndicats, par exemple. Ça se fait régulièrement déjà depuis un moment. On peut aussi les aider à faire appel au FSE, puisque le FSE permet, en termes d'égalité professionnelle, de soutenir des projets. C'est aussi, pourquoi pas, la fabrication d'outils. Aujourd'hui, on a finalement la possibilité de construire beaucoup d'outils. Il en existe déjà énormément sous forme de tutorat, de MOOC, de serious game. Voilà, tous ces outils de formation. Ça peut être aussi des rencontres, parce que je crois beaucoup à la vertu des rencontres et des colloques ou des forums où on remet le dialogue social vraiment au premier plan. Et dans le doute, on vous joint donc à la direction régionale du droit des femmes, Île-de-France pour l'Île-de-France, mais oui. Il y en a une dans chaque région. Il y en a une, tout à fait, dans chaque région, dans chaque préfecture de région. Et c'est le préfet de région qui nous demande d'ailleurs d'agir sur les questions d'égalité professionnelle, puisque là, on a beaucoup parlé d'index, mais un de nos chevaux de bataille, c'est la mixité des métiers. C'est la qualification, c'est la valorisation d'un certain nombre de métiers, etc. Et bien, merci beaucoup, Anaïk. Je vous en prie. Thank you.